Fabio, c'était là avant. Ah oui, oui. Alors, on est venu nettoyer la Société Générale. Bonjour. On a fait le reste de nettoyage. Alors, on va nettoyer la Société Générale parce que elle est très sale et il va falloir bien la nettoyer parce qu'il y a des... Alors, va bien falloir nettoyer partout parce que la Société Générale est en train d'investir beaucoup d'argent aux États-Unis pour les gaz de schiste et donc sur une exploitation sous forme de gaz naturel à Rio Grande, LNG. Donc malheureusement, la Société Générale détient le triste record des premières banques au monde à financer les secteurs en Amérique du Nord et à soutenir donc les terminaux d'exploitation des gaz de schiste, ce qui est totalement climaticide. Hein. Donc alors que la planète entière, c'est juste pour essayer de justement la respecter, d'ailleurs, la respecter. Alors c'est sale, hein. Ah là, il faut nettoyer, hein, ouais, là. C'est bien, ça part quoi. Faire juste personne va se casser la figure, hein. Ouais. Ouais, on va laisser un petit couloir, comme ça, s'il y en a qui veulent passer, ouais. On laisse un petit couloir de sécurité. Donc la Société Générale ignore les impératifs climatiques et persiste à financer à coût de milliards de dollars les énergies fossiles les plus polluantes au monde. Les charbons, les sables bitumineux, les gaz de schiste, les forages en Arctique et en eau profonde. La Société Générale, c'est la première banque française à financer les énergies sales. Et c'est pour ça que nous sommes venus donc, dans cette action non violente pour essayer de nettoyer donc, cet argent qui est très sale. Là, nous sommes à Amiens. Donc voilà, au côté de Trump, cette banque, la Société Générale, elle développe le marché qui est désastreux pour la planète, les gaz de schiste et son exploitation sous forme de gaz liquéfié. La Société Générale détient donc ce record. Vous arrivez à nettoyer, vous arrivez à nettoyer, ça va ? C'est dur, hein ? Ouais, on va laisser un couloir, là. Oui, tout à fait. On a de toute façon, mais on n'arrive pas à nettoyer, là. C'est vraiment trop grave. Ouais, les trucs. Bon, je crois que vous avez trouvé un nettoyer. Donc, là, rendez-vous le 14 décembre pour les nettoyer à Société Générale à Paris pour procéder national. Merci. Donc, rendez-vous le 14 décembre au 29 boulevard Haussmann à Paris. C'est le jour de la fin de la COP21. Et nous donnons rendez-vous là-bas pour être très nombreux à nettoyer le siège principal donc. Et on dit non au terminal de Rio Grande qui participe à émettre autant de gaz à effet de serre que 44 centrales de charbon. Pas possible, hein, trop sale. Ouais, trop grave. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est très bien. Alors qu'il y a plus de la radio. La radio. Ouais. Non, bah non, avec la radio. Alors bon, bah donc impossible de nettoyer. Là, on est à la Société Générale à Amiens. Et ouais, ça part pas. Il y a rien à faire. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est venir le vendredi 14 décembre, fin du jour de la COP21, à Paris au
29 boulevard Haussmann à Paris. Voilà. Donc, on dit non au terminal Rio Grande. C'est pour dire que nous sommes les gars de la préfète, de faire que les gens ne passent pas à la salle.